Alors bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne et aujourd'hui on va parler du Hyundai Casper. Alors oui, le fantôme. Hyundai va sortir le petit fantôme, vous savez qu'on regardait tous à la télé il y a quelques années. C'est des choses Casper que les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas, de moins de 20 ans peuvent pas connaître. Tout simplement, donc. Alors je vous explique, non, le Casper, il s'agit bel et bien d'un véhicule, de plus d'un véhicule électrique. Donc à la base, ce véhicule a été pensé pour le marché indien et le marché coréen, qui, vous le savez, là-bas, sont spécialistes des petits véhicules. Et donc ce Casper pourrait veut arriver en Europe pour tout simplement remplacer l'i10. Donc vous mettrez derrière des images de ce petit SUV, donc de taille réduite, qui ambitionne de prendre des parts de marché des modèles low cost. Il ne devrait pas arriver donc en Europe pour l'instant. On n'a pas de date, du moins. Le constructeur devrait le proposer chez nous, mais je pense pas avant au moins un an et demi. Ce Casper, eh ben, qu'est-ce que c'est en fait? Alors, on va voir le constructeur n'a pas encore donné d'informations officielles. On peut seulement compter sur les médias locaux l'ayant déjà analysé et aperçu sur les routes. Donc le Casper mesurerait moins de 3,60 m de long pour 1,60 m de large et 1,58 m de haut. Donc en résumé, il est quasiment aussi large que haut, à 2 cm près. Un petit gros, quoi. Il est donc bien plus petit, donc le fameux Hyundai Bayon, arrivé récemment. Et reposant également lui aussi sur la plateforme de l'i10. Alors, il devrait arriver, donc, bien évidemment, je pense, en motorisation électrique, mais donc il est commercialisé aussi là-bas avec le 1 litre MPI de l'i10 et le 1 litre TGDI, pareil, de 100 chevaux de l'i10. Alors ce petit véhicule, je vais vous mettre les images là à côté. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors j'essaierai de vous trouver des images qui soient Casper, oui, qui soient le Casper, oui, forcément. Et vous me direz au niveau look ce que vous en pensez, parce que je trouve ça hyper original. Pour une fois qu'on a des véhicules qui sortent un petit peu du lot, de la mini citadine. Alors, ils nous annoncent pas les prix non plus, hein. Bon, s'ils nous le vendent au prix de l'i10, ce sera bien. Ils nous annoncent pas non plus ni les autonomies ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment un premier jet de ce véhicule, hein. On en verra, on en saura toujours un petit peu plus tard. Maintenant, sachez que le Hyundai Casper, je suis en train de regarder les images là. Je peux pas vous dire à quoi il a l'avant un petit peu du connard, je trouve. Il a les fesses il a les fesses du Kia Soul un peu, avec des feux ronds et avec hyper original. Donc je vous mets la vidéo, je vous mets les photos dans la vidéo. Alors moi je le trouve vraiment mignon, sympa. Il a vraiment une bonne bouille. Maintenant, j'espère qu'on le verra sur les routes en France, parce que franchement, ça fait partie comme la petite Shanghai Lumi, que la vidéo est sortie sur la chaîne avant.
Des petits véhicules urbains qui, moi, me font délirer parce que tout simplement ils sont décalés, parce qu'ils sont un peu originaux et qui sortent du tout venant et de ce qu'on voit d'habitude. Pareil, vous avez vu sur la vidéo de Shangan Limi, cette petite voiture, vous la voyez arriver, vous avez l'impression qu'elle va vous faire un clin d'œil. Et je trouve ça super marrant. Voilà, je trouve ça super marrant. Ce Casper aussi, ben dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que mieux vaut la vie de plusieurs que la vie de personne, mais qu'un seul avis, hein. Mais vraiment, moi je le trouve original, voilà. Véhicule, alors on ne sait pas si c'est 35 portes, enfin on ne sait pas vraiment ce que ça va être ce véhicule. Mais vous verrez les photos, je vais vous mettre des photos intérieures et extérieures. Et vraiment, je trouve que c'est. Donnez-moi votre avis. Voilà, on va arrêter là parce que je rabâche beaucoup là. Et vous allez dire que je vous gonfle et vous n'aurez pas tort, même ma femme me le dit, donc c'est que je dois Non, je le dis gonfler. pas comme ça. C'est que je dois gonfler quand même. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et à plus sur la chaîne. Ciao!